Aujourd'hui, on va parler des différentes façons de transformer son MacBook en station fixe pour avoir une utilisation plus confortable lorsqu'on est à la maison ou au bureau. Alors, il y a plein de solutions différentes. J'en ai acheté pas mal pour pouvoir vraiment tester chacune d'entre elles en détail et vraiment comprendre un petit peu les différences qu'on a et est-ce que ça vaut le coup finalement de prendre quelque chose de très cher par rapport à un petit truc comme ça qui coûte pas très cher. Et donc, dans cette vidéo, je vais t'aider à vraiment identifier tes besoins pour que tu trouves le produit qui est fait pour toi et tes usages. Avant de parler des différents produits ici, on va déjà se concentrer sur comment identifier mes besoins. Alors, il y a trois catégories de besoins à vraiment identifier particulièrement. Premier besoin, ça va être quel type d'écran est-ce que je veux brancher à mon PC portable. Déjà, combien est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a 1, 2, 3, plus? Deuxième point à prendre en compte, ça va être la connectique de ces écrans-là. En gros, est-ce que l'écran se connecte en HDMI, en DisplayPort? Est-ce qu'ils ont peut-être directement une prise USB-C? À vous de voir. Troisième point pour un écran, ça va être la résolution. Ça aussi, c'est très important. Est-ce que c'est un écran Full HD? Est-ce que c'est un écran 2K? Est-ce que c'est un écran 4K? Plus, sur des formats un petit peu plus larges. Voilà, ça aussi, c'est hyper important à prendre en compte. Et enfin, dernier point, le framerate. Donc, la plupart des écrans sont en 60 Hz. Mais certains écrans joueurs vont pouvoir monter jusqu'à des 144 voire 240 Hz, ça aussi c'est à prendre en compte. Ensuite, il va falloir voir quel type de périphérique est-ce que je veux brancher là-dessus. Parce que forcément, on veut que l'adaptateur qu'on va utiliser ait assez de ports et les ports adéquats pour les périphériques qu'on va brancher dessus. Pareil, il va falloir savoir combien de périphériques est-ce que je vais vouloir connecter. Autre chose importante, quel type de connectique est-ce que j'utilise ? C'est souvent de l'USB-A comme ce qu'on a ici, mais ça peut être aussi par exemple, je sais pas, un port RJ45 parce que j'ai besoin de brancher mon modem, ça peut être du VGA, ça peut être de l'USB-C, ça peut être aussi un port jack. Pour tout ça, il va vraiment falloir savoir qu'est-ce que je vais vouloir brancher dessus. Et enfin, comment est-ce que ces différents périphériques sont alimentés? S'ils disposent de leur propre alimentation, pas très grave. Par contre, s'ils sont alimentés par le port USB, là, attention, il va falloir aussi que le hub soit alimenté, sinon on peut vite avoir des soucis. Dernier point à prendre en compte, ça va être tout ce qui concerne le stockage. Encore une fois, combien est-ce qu'il va falloir que j'en branche? Toujours pareil, la connectique aussi. Et enfin, dernier élément hyper important, ça va être la vitesse. Est-ce que j'ai besoin d'un transfert rapide ou pas? Ça par exemple, ça peut être très vite utile si jamais vous voulez installer des jeux par exemple sur un disque dur externe. Bah là, il vaut mieux que ça aille un petit peu vite. Par contre, si c'est juste pour de l'archivage, des photos, des films et tout ça de famille, qu'on va pas souvent utiliser, là c'est un petit peu moins grave. Et pour mieux illustrer ces différents besoins et vraiment arriver à différencier chaque produit, on va parler de mes besoins à moi. Au final, moi je bosse à la fois ici, donc dans le bureau, mais aussi j'ai mon entreprise qui est en région parisienne, et donc je suis amené aussi à bosser là-haut. Et donc c'est pour ça que je cherchais une solution hyper pratique et facile pour pouvoir brancher mon MacBook ici, pour m'en servir en gros comme si c'était un PC fixe, et après juste à débrancher un câble pour partir au boulot. Et donc ici déjà mes écrans, j'ai deux écrans différents, j'ai un écran qui est un écran 2K, 60 Hz et un deuxième écran qui est un écran de jeu, donc c'est un Full HD 144 Hz. Pour les deux, je peux les connecter soit en DisplayPort, soit en HDMI, donc ça c'est chouette. Ensuite, en périphérique, j'en ai pas mal. Déjà, j'en ai trois de Elgato, le Wavelink pour mon micro, le Camlink pour la caméra et enfin le Stream Deck pour gérer des raccourcis et quelques scènes de stream. Ces trois périphériques se branchent en USB-A et ont besoin d'une alimentation directement par le port USB. Niveau enceinte, j'ai des Creative T100 qui, elles, sont alimenté par la prise, donc pas de souci là-dessus, et que j'ai branché en jack. Et enfin, en stockage, j'utilise deux types de stockage différents, du stockage USB-C, donc c'est un SSD externe, donc qui est très rapide, et pour tout ce qui est vraiment stockage et archivage, là c'est des disques durs en USB-A. Niveau clavier souris, ça je l'ai pas mis parce que j'utilise du Bluetooth, donc peu importe, en gros, j'ai pas besoin de connectique particulière. Et donc c'est parti, on va étudier 5 solutions différentes, donc en gros, une ici, 2, 3, 4 et 5. Classé par ordre de prix, et on va voir très vite ensemble les différences. Les premiers dont je vais parler, c'est ce genre de truc-là, c'est des hubs USB 3. Tous ont une connectique USB-C au bout ici, et en fonction des modèles et forcément des prix, je vais avoir plus ou moins de connectiques. Là, j'ai même du RJ45, ici j'ai un lecteur de cartes. Alors ce truc-là, comme vous pouvez le voir, j'en ai acheté trois différents, ça fait un petit bout de temps que je les ai, ceux-là, parce que je les avais achetés avec mon ancien Mac. Et au final, très vite à chaque fois, j'ai été assez déçu parce que j'ai toujours eu des problèmes avec ces trucs-là. Alors déjà, une fois sur deux, je sais pas pourquoi, j'avais plus de Wi-Fi. Dès que je branchais ça, hop, le Wi-Fi disparaissait. Ensuite, très vite aussi, le port HDMI a commencé à ne plus marcher non plus. Donc ces trucs-là, vraiment, ça coûte pas très cher sur Amazon, mais au final, vraiment, je n'ai jamais trouvé un qui me fasse longtemps. Donc ça, autant vous dire que j'ai même pas envisagé ça pour ma solution ici. Alors après, on va voir deux types de produits différents. Comme on peut voir ici, ils ont tous en gros pas mal de connectiques. Donc lui, il en a des deux côtés ici. Lui, ça va être tout autour. Et lui, ça va être à la fois devant et derrière ici. En gros, sur le papier, ça te ressemble pas mal, sauf que ces deux-là sont beaucoup moins chers que ces deux-là. Et la principale raison, c'est la présence de Thunderbolt ici, quand ici on n'est que en USB 3. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire et quel impact est-ce que ça a?
Alors déjà, il faut savoir que si jamais vous avez besoin de plus d'un écran, il va très vite falloir du Thunderbolt. Pour vous donner un exemple, j'ai essayé avec ces deux solutions-là. Eh bien, en plus de l'écran de mon Mac, je pouvais avoir juste un moniteur en plus. Alors qu'avec cela, pas de souci pour avoir le moniteur du Mac et deux écrans en plus. Ça tout simplement parce que l'USB 3 n'est pas aussi rapide, ne peut pas transférer autant d'informations que le Thunderbolt 3 qui est présent dans ces deux produits-là. Alors si on commence avec celui-ci en ce moment, il est à 89€ avec un bond de 10€ en moins, donc en gros ça fait du 80€. Ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il va être hyper compact, et ça c'est vraiment idéal hein, si vous voulez genre utiliser votre ordinateur devant vous avec un écran au-dessus, voilà, pour pouvoir utiliser à la fois du coup l'écran du Mac, ou votre PC portable, peu importe, et l'écran juste au-dessus. Ce qui est bien ici, c'est qu'il va y avoir une entrée ici USB-C qui est marquée Power Delivery, donc c'est ce qu'on a marqué juste ici. En fait, là-dessus, vous allez pouvoir brancher votre chargeur de Mac, et automatiquement, en fait, lorsque vous allez brancher ici votre Mac via ce câble USB-C qui est intégré là-dedans, ça va charger en montant le Mac. Donc ça, c'est pratique, hein, parce que vous allez avoir du coup un seul câble à brancher. Je suis en train de monter la vidéo, là, j'ai juste oublié de dire un truc. Si comme moi, vous avez un nouveau Mac, donc maintenant, ils sont livrés avec un chargeur en MagSafe, donc le petit truc aimanté comme ça, eh bien forcément, on ne pourra pas le brancher à ces différents adaptateurs qui, eux, n'acceptent que de l'USB-C. Heureusement, par contre, le bloc de charge qui est fourni avec les nouveaux Mac est bien en USB Type-C ici. Donc tout ce qui vous reste, c'est soit à trouver ou du coup à acheter en plus un câble USB-C vers USB-C. Autre chose importante, hein, c'est que si vous voulez utiliser votre Mac avec l'écran fermé, vous êtes obligé de le charger. En gros, si le Mac n'est pas alimenté, vous ne pourrez pas l'utiliser avec l'écran fermé. En plus, niveau connectique, hein, il y en a une tonne ici, c'est chouette. Sauf que, même s'il y a deux HDMI ici, impossible pour moi, vu que c'est que l'USB 3, de pouvoir balancer une image sur deux écrans en plus de mon Mac. La connectique USB ici, vu que le hub est alimenté via le port de charge ici, pas de souci donc pour alimenter ici les trois ports USB. L'acte de carte, c'est pratique, j'aurais préféré l'avoir sur le côté ici. Par contre, ce qui est chouette, c'est que sur le côté, j'ai une prise casque. Et enfin, la prise Ethernet qui va bien, et même du VGA, bon, qu'on n'utilise plus trop, mais on sait jamais. Niveau vitesse de transfert, ça va, tant qu'on n'a pas plusieurs disques de brancher. Et toujours pareil, hein, vu que ça c'est une seule connectique en USB 3, même si je branche ici 3 disques durs et que je fais des transferts, mais forcément ça va être divisé par 3 parce que ça va être bridé par l'unique port USB 3 ici. Sur celui-là, ça va être un petit peu le même principe, dans un format un petit peu différent. Celui-ci est à 129€, donc déjà un peu plus cher. Donc là, ce qui est bien par contre, c'est qu'on va avoir pas mal de connectiques en façade ici. Donc le lecteur de carte, ça c'est hyper pratique. Et après, à l'arrière, je vais avoir tout ce qu'il faut aussi. Là, pareil, un 3 ports HDMI, pas utile en tout cas sur Mac. J'ai juste à pouvoir avoir un écran en plus de mon Mac, c'est tout. Niveau connectique, hein, j'ai vraiment ce qu'il faut là aussi. Je vais avoir le port ici qui va me permettre de le relier au PC, donc le câble est fourni, vous inquiétez pas. Là ici, je vais pouvoir aussi brancher pareil mon chargeur de PC pour pouvoir alimenter le hub, mais aussi alimenter le PC via le port ici, donc ça c'est très bien. Les 3 ports HDMI, l'Ethernet ici. Là, le secteur qu'on a ici, ça va juste permettre d'alimenter le hub. Donc ça veut dire que je suis pas obligé de l'alimenter par le chargeur de mon PC. Donc en gros, hein, si il y a juste un écran branché, clavier souris, une imprimante, pas besoin d'alimenter avec le chargeur du PC. Mais du coup, il faudra brancher le PC en même temps qu'on le branche à ça. Niveau design, hein, ces deux produits sont vraiment hyper quali, c'est du métal, ça c'est chouette, c'est pas du plastique, et vraiment aucun souci à l'utilisation, ça bouge pas du tout. Et même celui-là, il est livré avec un petit socle, pour pouvoir, soit on peut le poser du coup comme ça sur le bureau, ou alors on pourra aussi le mettre comme ça là, hop. Et vraiment, ça permet d'épurer à fond le bureau avec tous les connectiques qui viennent derrière ici et juste l'essentiel devant ici. Donc c'est vraiment très très bien. On va donc maintenant parler des deux accessoires qui sont eux Thunderbolt. Alors ici, on a vraiment le modèle hyper portable. C'est un petit peu comme avant, on va avoir aussi une entrée ici USB-C. Ça, c'est vraiment l'entrée pour le chargeur. Derrière, je vais avoir deux connectiques, une DisplayPort, une HDMI. Et là, par contre, hein, aucun souci pour pouvoir brancher deux écrans en même temps, même avec mes formats un petit peu particuliers. Donc, j'aurais bien sur l'HDMI, j'ai bien mon écran 2K à 60 Hz. Et sur le DisplayPort, j'ai aussi mon écran de jeu, donc le Full HD à 144 Hz, sans souci, avec en plus l'écran du Mac en même temps. Vraiment, ça marche super. Le port Ethernet ici qui marche très bien aussi. La prise casque ici, deux ports USB en plus. Donc, pour mes usages, c'est vraiment le premier qui m'a permis de pouvoir utiliser mes deux écrans déjà. Donc moi, du coup, comme vous pouvez voir derrière, hein, j'utilise le Mac fermé. Je vous montrerai après ce que ça donne là-bas. Par contre, forcément, vous avez vu, hein, en connectique, j'ai que deux ports USB-A ici. Et on l'a vu en introduction, j'ai besoin de beaucoup plus de connectique, en tout cas ici. Par contre, en déplacement, ça, c'est vraiment super parce que ça prend pas de place. Juste à brancher mon chargeur de Mac là-dessus. Et après, je peux utiliser n'importe quel écran ici, le connecter au réseau aussi si je veux. Et surtout, hein, vu que c'est du Thunderbolt, peu importe le format d'écran que je lui mets, il prend en compte.
Peu importe la vitesse aussi de mes disques durs ici, ça sera au maximum. Donc ça, c'est vraiment super. Et vraiment, c'est hyper fiable. Hein. J'ai même fait quelques streams grâce à ça. Donc depuis mon Mac, en fait, où j'ai branché plusieurs périphériques là-dessus. Et ça tourne sans problème. Alors là, forcément, niveau prix, on est un petit peu plus cher. Donc pour celui-là, en ce moment, on est autour des 160€. Bon, forcément, je vous mets tous les liens en description pour que vous puissiez vérifier les prix en temps réel. Et donc, le dernier que j'ai trouvé, et au final, celui que j'utilise, c'est celui-là. Donc c'est le Western Digital D50 Game Dock. Alors ce produit à la base, il est vraiment vendu pour l'utilisateur PC et en plus gamer. Mais vous allez voir qu'il correspond totalement à mon usage. Déjà, premier gros point fort qui m'a de suite beaucoup plu, c'est que l'alimentation est fournie. Et en plus, c'est vraiment une alimentation puissante parce qu'elle est capable de fournir 87 watts au PC. Et vu que mon MacBook Pro est capable de supporter une charge jusqu'à 96 watts, donc on va quasiment avoir la charge maximale, donc c'est super, la charge sera rapide. Niveau connectique, on va avoir ici le port réseau, toujours pareil, donc pour brancher en RJ45. Ici, je vais avoir deux ports USB-A et un port USB-C ici. Niveau sortie vidéo, là, c'est un petit peu léger, mais c'est pas très grave. Donc j'ai un DisplayPort ici pour pouvoir brancher mon écran 144 Hz. Et ici, j'ai un port USB-C que j'ai utilisé grâce à un câble qui va USB-C vers HDMI pour pouvoir du coup brancher mon écran de cas ici. Là, j'ai branché le Cam Link, là, ça va être le Stream Deck. Par contre, malheureusement, j'ai dû acheter un nouveau câble USB-C vers USB-C pour le WebXLR pour pouvoir le brancher directement ici. À l'avant, je vais avoir trois connectiques en plus. La prise jack que j'utilise très peu parce qu'au final, mon casque est branché directement au WebXLR. Mais ici, par contre, ces deux ports-là, je vais vraiment les utiliser. Donc, ça va vraiment être les ports qui vont me servir pour mes disques durs. Donc les disques durs en USB-A ici et mon disque dur SSD externe en USB-C ici. Et vraiment, ça a des débits hyper rapides, hein. C'est comme si je le branchais directement au Mac. Le boîtier est un petit peu ventilé ici, donc honnêtement, moi j'ai jamais entendu le ventilateur, donc ça me va très très bien. Mais voilà, quand on sait qu'il y a 87 watts qui circulent là-dedans, donc c'est quand même bien de le ventiler. Bon après, c'est vrai que ça prend un petit peu de place, mais bon, ça reste quand même assez sobre. Je vais le rebrancher à sa place là-bas et je vous montre ça tout de suite. On se retrouve au bureau, ça y est, j'ai tout branché ici. Ça c'est un tout bête support en métal, donc ça fait quand même très quali, il n'y a pas de souci. Et donc, tout ce que j'ai branché, c'est le Mac ici. Tout le reste est branché derrière là-bas. Et donc, ça permet de pouvoir brancher à mon Mac directement le Wave XLR ici, qui me permet de brancher mon micro XLR là, le Stream Deck ici. Après, derrière ici, j'ai un Cam Link qui est branché à ce boîtier d'appareil photo, donc qui me sert du coup pour le stream, mais aussi comme webcam pour tout ce qui est pro. Mes enceintes ici, qui sont branchées donc en jack. J'ai mes deux écrans ici, donc ça c'est l'écran 2K, ça c'est l'écran 144 Hz ici, qui sont bien alimentés. Et si je veux, hein, je peux aussi allumer l'écran du Mac en même temps, je vous montre. Donc avec ce dock là, hein, je peux vraiment bosser sur trois écrans différents, et tous ont des résolutions vraiment hyper différentes. Et il n'y a pas de souci, vous voyez, c'est vraiment hyper fluide. Et tout ça avec un seul câble ici. Et donc quoi, en arrivant en gros, j'arrive, clac, je branche le câble ici, je pose ici, donc... le coup de main parce que ça passe tout juste. Et au final, c'est tout. Parce que pendant un bon moment, j'avais en gros deux câbles branchés ici, un autre ici, pour pouvoir avoir à peu près le même setup. Et encore, j'avais pas autant de trucs de brancher ici. Donc bon, là, c'est vraiment hyper, hyper pratique. Seul truc un petit peu dommage qu'il n'y a pas sur ce dock-là, alors qu'il y en a sur pas mal d'autres là-bas et il est moins cher, c'est que j'ai pas de lecteur de carte SD. Ça aurait pu être hyper problématique pour moi parce que forcément... avec mon activité pro et avec YouTube, j'utilise énormément de cartes SD. Mais le truc cool, c'est que ce nouveau MacBook Pro, il y a un lecteur de cartes. Et en plus, dans la configuration où je pose ici, le lecteur de cartes, moi, est juste là. Donc en gros, j'ai juste à venir brancher mes cartes ici. Hop. Et c'est bon, hein, du coup, ma carte apparaît sur le Mac. Au final, hein, cette solution, c'est vraiment celle qui me correspond. Je vous mets toujours pareil, hein, le lien en description. J'ai aussi utilisé sur un PC, donc lorsque j'ai testé le Dell XPS 13, ça marche très très bien. Pareil, je vous renvoie sur la vidéo du Dell XPS 13 où j'en parle un petit peu de comment est-ce que j'utilise ici. Forcément, peut-être que pour votre usage à vous, mais pas besoin de dépenser autant parce que ça, je crois que c'est un peu plus de 200€. Et donc, si vous avez besoin juste de brancher un écran, là, je vous conseillerais plutôt celui-ci. Vous pouvez aussi brancher, bien sûr, clavier, souris, un port Ethernet, ça ira très très bien. Pareil, si vous voulez aussi brancher un seul écran, mais avoir la connectique en façade de disponible, là, ce sera plutôt celui-là que je vous conseillerais. Dès que vous allez vouloir brancher plus de deux écrans ou alors un écran 4K 60 Hz par exemple, là il vous faudra du Thunderbolt. Et si vous êtes mobile ou que vous avez très peu de connectique à brancher, là ce modèle Belkin est vraiment super. Hyper portable, ça fonctionne très très bien. Bon, attention par contre à ne pas abîmer ce câble là parce que il est lié vraiment au produit, donc si jamais il y a un problème avec le câble, il faudra changer le produit. La vraie limite de ce produit là, hein, c'est qu'on a seulement que deux ports USB-A. Et enfin, si vous avez des usages assez équivalents au mien, donc deux écrans, beaucoup de connectique,
Et si en plus vous voulez que l'adaptateur secteur du produit recharge en même temps le Mac et de façon rapide, c'est vraiment un super produit, ce produit de Western Digital. Vraiment, j'ai fait des recherches et des recherches et des recherches, et là, j'ai trouvé le produit qui me va très bien à moi. Bon, malheureusement pour moi, c'est le produit le plus cher, mais vu qu'il convient vraiment à mes usages, j'en suis super content. Je vous le rappelle, hein, tous les produits sont directement en description. La prochaine vidéo sur le MacBook Pro 14 pouces, ce sera mon test complet après, là, ça y est, plus de 2 mois d'utilisation. Donc vraiment, j'ai essayé un tas de trucs du jeu vidéo, beaucoup de boulot forcément, du montage. J'ai énormément bougé avec, en France comme à l'étranger, donc bah, j'ai vraiment hâte de vous en parler. Donc pensez à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Merci de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous, on se retrouve très vite en live ou en vidéo.